Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin. C'est rare que je commence un vlog un jour de semaine, surtout un matin avant d'aller travailler, mais là, de suite, je peux pas sortir de mon quartier parce qu'il y a eu un accident. Puis ça a jamé le trafic bien net. Comme vous avez pu voir dans le petit clip, on a eu de la neige. Puis là, je pense que c'est de la neige pour rester. Dans l'autre vlog, je disais qu'on avait eu, mais c'était comme de la petite neige qui possiblement allait fondre. Mais là, d'après moi, elle va rester. Puis ben, c'est ça, les rues sont glacées. Puis nous autres ici à Fort Mac, mettons que on n'a pas le meilleur système pour entretenir les routes, mettons. T'sais, je comprends qu'on est quand même une ville, t'sais, on n'est pas une petite ville, il y a plusieurs rues puis tout ça, mais j'aurais pensé que t'sais, il y aurait eu quand même un certain système, mais t'sais, comme j'ai, je connais rien là-dedans. C'est juste pour vous donner une idée, comme nous autres, notre quartier, ben, si mettons qu'il y a une grosse tempête de neige, on se fait juste cleaner nos rues à chaque 2 semaines. C'est une journée. Comme nous autres, dans ma rue, c'est le lundi. Fait qu'à chaque 2 lundis, ils clinent notre rue. Fait que mettons qu'on a une tempête de neige le mardi, qui est comme la journée juste après qu'ils clinent notre rue, ben, il faut attendre 2 semaines avant d'avoir une rue clean. T'sais. Puis, un autre affaire aussi, nous autres, je sais pas pourquoi, mais ici, ils mettent pas de sel. Ils mettent du sable, genre d'eux. Fait que ça fait que si tu suis un char trop proche, ben, il va t'envoyer de la garnotte, puis ça peut briser ton devant de char, puis t'es vite. Fait qu'anyway. Fait que là, ben c'est ça. À matin, il y a eu comme... Je sais pas si c'est ça l'accident, mais moi j'ai un groupe Facebook de notre quartier. Puis il y a quelqu'un qui a publié une photo qui avait des autobus de ville jammés dans la rue qui descend pour aller en ville, qui est juste à côté de notre quartier. Ben il y avait comme pour descendre en ville, il y a comme... Tu sais, c'est 2 lanes, fait que tu peux... c'est dépassé puis ça facilement, mais là il y avait 4 autobus qui se sont parkés un à côté de l'autre. Fait que je sais pas si qu'il y a un autobus qui a perdu contrôle puis là les autres autobus ont suivi, en tout cas. Mais ça a vraiment, comme j'ai jamais le trafic assez loin, merci qu'il y a 3 ou 4 rues principales qui ont été bloquées pour tout de suite. Fait qu'il y a du monde, gens qui sont parkés pas loin d'une rue de la maison depuis comme 1h30. Puis là il est présentement 8h 9h moins quart à peu près. Ça fait que, en tout cas, fait que tout ça pour dire que je reste en stand-by à Amazon. Pour vrai, ça fait que ça me tente pas d'aller travailler. Parce que connaissant les conditions de route, c'est ça. C'est pas trop intéressant. C'est comique parce que, comme dernièrement, moi et Pierre, on parlait de ça, que possiblement que je commencerais à travailler plus de la maison. Ben, je pense que je t'avais dit de considérer ça pas mal assez vite parce que ça ne me tente pas. Tu sais, on commence juste là, puis l'hiver est pas fini. Puis s'il fait pas moins 40 en cours, ça fait que c'est ça. Ça me tente juste pas d'être pognée dans le trafic ou ballon dans les accidents de main. Par contre, moi, je suis quand même chanceuse parce que, comme on veut pas nous dire, notre quartier, c'est une butte, on va dire ça de même. Puis la ville est comme en bas de la butte, OK? Fait que, comme moi, si je veux aller en ville, faut que je descende une butte. Puis moi, je suis quand même chanceuse parce que mon travail est comme au même niveau que moi, que mon quartier. Fait que j'ai pas besoin de descendre cette côte-là, mettons, tu sais. Puis, je veux pas l'hiver, cette rue-là, elle est vraiment comme dangereuse parce que non seulement qu'elle est comme une pente, mais il y a un croche aussi. Puis c'est quand même un chemin qui est très... très occupée parce que, comme j'ai, il y a beaucoup de monde qui travaille en ville ou dans d'autres quartiers, puis ils n'ont pas le choix de prendre ce chemin-là. Mais comme je dis, moi, je suis quand même chanceuse que mon travail est pas en bas de la côte. Fait que je reste en haut, fait que ça fait ça moins dangereux. Mais tu sais, on sait jamais pareil, j'ai quand même du chemin à faire. Anyway. Fait que là, ben, les plans d'aujourd'hui, j'ai aucune idée. Vraiment, ça me, comme je dis, ça me tente comme pas d'aller travailler. J'ai rien qu'envie de rester à la maison, ou pire, tu sais, de travailler de la maison. J'ai ma tablette que mon OneDrive est relié comme sur ma tablette et sur mon ordi. Fait que je pourrais toujours quand même comme suivre les courriels puis tout ça, quand même faire une couple de petites choses. Puis malgré que je suis quand même à jour dans mes affaires, fait que ça devrait être correct pareil. C'est soit que
Aussitôt qu'ils débloquent les rues, c'est ça, c'est un autre affaire, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Il y en a qui disaient sur le Facebook qu'il y avait des towings qui s'en venaient, mais tu sais, veux pas, le trafic est tellement jamais, puis je ne sais pas c'est quoi les conditions de route. Fait que amener des towings-là, ça ne doit pas être évident non plus pour amener les autobus, mettons. Fait qu'en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si combien de temps ça va prendre. Fait que je vais prendre ça mollo pour un matin. Puis je vais considérer ça comme la vie me donne un signe de prendre ça mollo un matin. Parce que ça a été quand même une grosse semaine de travail. Il y a des soirées que j'ai fini à 6h30, 7h. Mais tu sais, c'est pas grave. Il fallait que ça s'aille fait. Fait que là, ben, je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre ça mollo. Puis je verrai au courant de la journée, même qu'on dirait ça, si que ça se débloque, j'aurais quasiment envie d'aller chercher mon ordi puis juste en venir travailler ici. Mais là, tu sais, tant qu'à me rendre là-bas, je suis aussi bien juste rester là puis faire ce que j'en fais puis m'en venir plus tard. Tu sais, on aurait peut-être, dans la journée, tu sais, s'occuperait peut-être des rues, je sais pas. En tout cas. Fait qu'on va prendre ça une minute à la fois parce que, bon, comme je dis, je sais pas quoi ce qui va se passer, mais écoutez, je vais vous emmener avec moi dans ma journée. Ça sera le. Comme je dis, c'est rare que. D'habitude, je vous filme pas quand ce que je travaille, mais là, why not? Fait que je vais vous apporter avec moi. Comme ça, ici, pour faire les petits cadeaux aux filles, je vais emballer ça. C'est ça, je dis là, il est rendu 10h, puis j'ai vu sur Facebook que les chemins sont clairés. Mais je pense qu'il faut qu'ils passent pour déblayer un peu, puis mettre du sable. Pour pas que ça soit trop glissant. Et vraiment, ça me tente vraiment pas de sortir. Alors, si on dirait j'aurais dû emporter mon ordi, mais tu sais, je savais pas. Comme, je savais qu'il annonçait un petit peu de neige, mais je savais pas si ça allait être comme un matin. Qu'elle allait avoir un accident puis que les chemins auraient été vraiment comme mauvais. Je pense que si je vais faire, je vais m'essayer, je vais me rendre directement à shop. Je pense que je vais juste prendre mon ordi puis une couple de petites choses puis je vais venir à la maison travailler. J'avais pas une grosse journée planifiée aujourd'hui parce que, comme je vous disais, j'avais quand même tout fini cette semaine. J'ai une grosse semaine. Fait que ça fait qu'aujourd'hui, je peux prendre ça un petit peu plus mollo. Je me suis dit, pourquoi pas faire. Moi, j'appelle ça une journée self-care, même si c'est pas vraiment self-care, mais c'est comme. J'appelle ça aussi là, mental health day. Fait que ça veut dire comme ça. Une fois de temps en temps, je prends une journée dans la semaine juste pour. T'sais, moins travailler ou ben non, que je travaille pas, je fais que ce que j'ai envie de faire. Mais là, étant donné que j'ai quand même, si je suis à jour dans tout, mais je veux quand même pas trop, t'sais, me remettre behind, là, t'sais, comme. Anyway, je veux pas trop procrastiner non plus, c'est ça que je voulais dire. Mais je vais quand même, comme je vais prendre ça mollo pareil, je vais travailler un peu, puis, mais tu sais, je vais probablement regarder des vlogs en même temps ou, tu sais, juste rester cosy. Mon lunch est déjà fait parce que je l'ai fait, tu sais, de bonne heure à matin, fait que, tu sais, j'aurai pas besoin de me casser la tête avec ça. Mais ça fait que ça va être une journée mollo aujourd'hui, puis, c'est ça, une petite mental health day. Donc, je viens de revenir à la maison et. J'ai pelleté. Écoutez, les chemins étaient très parce qu'il y a des bouts que c'était de l'asphalte, mais il y a d'autres bouts que on aurait pensé que ça aurait été de l'asphalte, mais c'était comme de la glace black ice, ça, je devrais dire. Fait que. Puis il y a des chemins qui ont été déblayés, par exemple. Ça c'est nice, mais comme je dis, ça porte à confusion parce que là, il fait gros soleil. Puis. Comme je vous dis, il y a des bouts que c'était comme glacé, puis on aurait cru que ça aurait été comme d'asphalte. En tout cas. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Les chemins étaient quand même glissants. Puis là, j'arrive de pelleter. Parce que, ben franchement, je m'avais dit, ah, tu sais, je vais pelleter comme plus tard aujourd'hui, mais là, le soleil est sorti. Oui, ça aurait pu faire fondre la neige, mais en même temps, comme là, la neige commençait à être vraiment pesante, ça fait que je suis comme contente d'y avoir été tout de suite. En chemin, c'est ça, j'ai été chercher mes choses pour travailler aujourd'hui, puis j'ai arrêté à une épicerie qui est pas loin de la maison, puis ça aussi, je suis vraiment grateful qu'on a une épicerie comme sur la butte, que j'avais pas besoin de descendre comme la grande côte pour aller en ville, tout ça, c'est que j'ai été chercher juste une couple de petites affaires. Je m'attends à faire une épicerie plus grosse en fin de semaine, mais là je me suis dit pour asseoir puis comme demain ou dépendamment quand est-ce que je vais faire l'épicerie, ben
on aura quelque chose à dépanner. Fait, je vais juste vous montrer vite fait, mais j'ai pris une salade déjà faite. Celle-là, c'est Sud-Ouest. Puis elle est bonne. Là. J'aime bien ces petites salades-là. Je trouve que ça dépanne bien. Pour ça, j'ai acheté des muffins anglais. J'ai vu que les sirloin tip roast, je sais pas c'est quoi en français, là. Je me rappelle pas c'est quoi, mais c'est un gros paquet de viande. Puis je me suis dit que vu que c'était en spécial, je pourrais peut-être faire de quoi dans le croque-pot avec ça demain. Faire de la bouffe cosy. Puis j'ai aussi pris ça, on aime bien ça, moi et Pierre, soit pour des collations ou ben des petits dîners vite fait, juste quand on est trop pressé. Première chose, la raison pourquoi j'allais là, des œufs, parce que je n'avais plus. Puis, une dernière chose que j'ai pris aussi, c'est des Diet Coke. J'ai reçu un paquet de Aura, je sais pas si vous, si vous la connaissez, mais il y a beaucoup de YouTubers qui commande de Hill. C'est une compagnie québécoise, puis elle fait des jeux. Avant, je pense qu'elle faisait des bougies, puis là, je pense qu'elle a arrêté ça, puis elle fait juste comme des jeux. Puis je me suis dit, tu sais, des fois, dans le temps des fêtes, puis tu sais pas des fois quel jeu faire, ou tu sais, tu veux rien de trop compliqué. Puis j'ai trouvé ces petits jeux-là comme vraiment le fun, tu sais, je les ai jamais essayés, mais c'est pour ça que je voulais les acheter. Donc, c'est des jeux comme ça, c'est deux paquets de petites cartes. T'en as un, c'est pour les amoureux, puis l'autre, c'est comme être ensemble. Puis si je me trompe pas, c'est comme des... Là-dedans, t'as des petites réflexions, des petites questions que tu peux te poser, comme entre la gang que vous êtes, ou ben non, votre amoureux, amoureuse. Fait que je me suis dit que j'allais essayer ça, puis tu sais, comme vraiment le 16, tu sais, c'est pas gros, fait que moi, je vais probablement amener ça à Noël, tu sais, des fois qu'on sait pas quoi c'est fait, puis, tu sais, des fois, nous autres, chez nous, on aime bien comme faire des jeux, des fois, mais, tu sais, des fois, les jeux, c'est pas, tu sais, c'est un petit peu plus gros, ben non, tu sais, dépendamment si c'est des jeux de société ou quoi que ce soit, ben, tu sais, puis on est des gros joueurs de cartes chez nous, mais, tu sais, après un bout, il y en a qui viennent tanner. Fait que là, ben, je me dis, ben, ça serait différent. Puis je me suis dit, je vais en prendre un comme pour les amoureux. Parce que, tu sais, des fois, moi et Pierre, comme si on va en dehors ou ben non, qu'il y a une soirée qu'on sait vraiment pas quoi se faire, ben, ça sera quoi à faire. Fait que vraiment contente, j'ai hâte de s'essayer. J'ai rendu 11h30 déjà. Puis je pense que si je vais faire, je vais juste comme prendre ça mollo jusqu'à midi. Parce que on dirait, j'étais plus habituée de pelleter dehors. Mais pas, tu sais, c'est la première neige de l'année. Une chance qu'il n'y avait pas beaucoup, mais tu sais, là, ça en met de la bite. C'est ça. Fait que je vais juste prendre ça malo, puis je pense qu'après-midi, je vais travailler. Puis ça va être pas mal ça. Allô tout le monde, on est le lendemain. Je vous ai pas reparlé hier parce que, ben franchement, j'ai travaillé un peu. Puis après ça, Pierre est arrivé comme plus vite que prévu, ça fait que j'ai fait à souper puis je vous ai pas vraiment reparlé. Mais ça a vraiment été une journée mollo hier. Puis là, vous vous demandez probablement pourquoi est-ce que je suis assise à terre. Mais c'est parce que une couple de semaines passées, on a fait l'achat du fameux, je sais pas comment est-ce qu'on peut le dire, mais c'est comme un vacuum slash mop. Mais en tout cas, on voulait pas mal se passer sur les réseaux sociaux, puis Pierre a décidé d'en acheter un sur Amazon et il me disait qu'il voulait me gâter parce qu'il trouvait que je faisais une bonne job dans la maison. Bref, on l'a essayé une fois, mais c'est surtout Pierre qui l'a essayé. Moi, je l'ai pas vraiment utilisé, j'ai juste comme essayé vite fait une fois, mais là aujourd'hui, je veux vraiment laver les planchers, ça fait qu'à la place de prendre une mop, ben je vais prendre cette machine-là. Puis là, comme je vous disais, c'est comme un vacuum slash mop, fait que j'aurais pu pas passer la balayeuse avant, mais je l'ai quand même faite parce que il y avait quand même beaucoup de poils, puis tu sais, il y a des certaines places que je peux pas y aller avec la mop, comme tu sais par exemple le tapis. Fait que j'ai quand même passé la balayeuse à grandeur, mais ça fait la balayeuse aussi. Ouais, fait que je vais l'essayer avec vous autres parce que avant qu'on la jette, on a vu un gars qui est quand même populaire sur les réseaux sociaux qui l'a testé, mais il l'a testé avec comme plusieurs produits. Comme exemple, comme il a cassé un œuf à terre, puis comme il a pris la machine pour voir si ça allait ramasser. Fait que moi, j'avais pensé aujourd'hui
essayé avec l'œuf. On a fait la dernière fois, on a fait avec, je pense, de la sauce ranch. C'était comme, c'est quand même dégueulasse là, dans le réservoir là, de comme de l'eau sale, là, mais tu sais, c'était comique à voir. Fait que je me suis dit aujourd'hui que j'allais l'essayer avec un œuf, avec vous autres, pour vraiment voir si ça marche bien. Vraiment, ce qui est le fun avec ça, c'est que il y a un self cleaner aussi, comme pour le genre de mop là, en bas. Fait que je pourrais vous montrer ça tantôt. Mais la trinque à l'eau sale est en avant juste là. Puis en arrière, c'est l'eau clean. Là, je l'ai enlevée parce que je l'ai juste ici. Fait que je l'ai remplie d'eau propre. Puis la seule affaire que j'ai besoin de faire, c'est de mettre ce produit-là. Quand on a commandé la machine, ça l'a venu avec. Fait que je pense que j'ai besoin de mettre un cap dans la machine. Puis dans le fond, c'est comme c'est ça le produit qu'on met pour aller pour nettoyer, dans le fond. Puis ça sent quand même bon. Fait que là, j'ai mis mon produit dans l'eau. Fait que là, je peux aller le mettre en arrière, bien clipper. Puis c'est ça. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Là. J'ai lu un petit peu les instructions avant parce que, comme je dis, c'est plus Pierre qui a joué avec. Mais là, ça c'est... Ok, ben ça dit juste un peu... des instructions, mais bref. Fait que sans plus tarder, moi je suis vraiment excitée, j'ai vraiment hâte de casser le neuf sur mon plancher puis d'essayer ma nouvelle mop. Fait que on fait ça tout de suite. Là, juste pour vous dire, mais quand je fasse la tête, vous me verrez pas la face, mais j'ai mon neuf ici. Je vais le casser puis je vous montre ça en même temps. Vraiment, ça a pas splashé comme que je voulais. Fait que je vais faire, je pense, une prise 2. Je vais ramasser lui juste avec un paper towel puis je vais faire prise 2. Ça a splashé partout. C'est mon plancher. Je me demande ça. Donc, ça, c'est la place de l'impact. Et j'ai plein de petits moutons d'écailles partout. Fait que c'est pas grave, je vais ramasser avec ma machine. Mais c'est juste pour voir, comme vous montrer le mess que ça a fait. Bon, c'est que ça a pas ramassé comme la grosse écaille, mais ça l'a vraiment comme bien cleané pareil, le spot où ce que ça l'a comme tombé. Fait que vraiment ça tue. Je peux pas croire j'ai fait ça. Casser un œuf juste pour vous montrer ma nouvelle mop. Anyway, fait que je vais finir de ramasser ça, puis je vais juste passer ma mop comme dans le salon, dans la cuisine, juste pour laver un peu le plancher. Mais pour vrai, j'aime vraiment cette mop-là. Je trouve qu'elle est facile comme d'utilisation. Elle est comme light et tout. On dirait que quand tu pousses vers en avant, elle y va tout seul. Puis quand tu recules, elle y va tout seul et tout. Puis ce que j'aime aussi, puis ça je l'avais remarqué la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'est que ça sèche tout de suite. Comme ça laisse pas de traces. Tu sais, je sais pas si vous pouvez voir, mais tu sais, c'est comme ligné un peu là. Ben c'est là où ce que j'ai passé. Tu sais, là c'est sûr qu'il reste comme un gros morceau, mais tu sais, c'est comme quand même l'écaille que je la ferai pas ramasser, là, mais comme vraiment, là, ça, c'est déjà sec. Puis il y a eu de l'eau, là, je vous jure qu'il y a eu de l'eau, là. Tu sais, à comparer à une mop, là, d'habitude, là, moi, quand je la passe, ben, faut que j'attende quasiment comme une demi-heure, certain, comme avant que ça soit tout sec partout dans la maison. Puis tu sais, comme, tu vois que c'est tout boréolé, tout, mais là, vraiment, c'est déjà sec. Fait que je suis vraiment impressed. Je suis vraiment contente, mais je vous dirais que l'eau de la... Comme la tank de l'eau sale, c'est pas trop beau à voir, mais écoutez, c'est pas grave. Je vais la cleaner après. Fait que, comme je vous dis, je vais finir de passer la mop partout dans la maison, puis je vais vous montrer au pire le self-clean après pour la petite mop là, en bas. OK, fait que je viens de le mettre sur son stand. J'ai vidé la tank à l'eau sale. Puis là, regardez, il va falloir que je lave ça parce que ça, c'est l'œuf. Mais bref, ça vient avec... un petit kit aussi pour laver le petit tapis qu'il y a ici. Puis là, ben c'est ça, je voulais vous montrer, j'ai jamais vraiment fait le self-clean, mais en tout cas, on va découvrir ensemble. Je pense qu'on a besoin de peser ce petit piton-là. OK, puis là, ça nous donne le choix. Quick self-cleaning requires 2 minutes ou super self-cleaning qui prend 6 minutes.
Fait que dernière chose qu'ils m'ont demandé de faire, c'est de cleaner la tank à eau sale, which que je l'ai faite. Puis c'est tout. On laisse ça là, puis pour une prochaine fois. C'est tout pour ce petit segment de cleaning. Puis c'est sûr que la machine, je pense qu'elle a coûté aux alentours de 400 cucs. Tu sais, il y en a qui peuvent voir ça comme cher, mais quand tu y penses, ben, tu sais, comme les Dyson sont plus chers que ça, puis ils n'ont pas de mop. Fait que, tu sais, pas ça, c'est comme deux dans un. Pour vraiment, c'est un bel achat. C'est sûr que je recommande fortement, si vous avez des animaux ou même si vous perdez beaucoup vos cheveux, je vous conseillerais de passer la balayeuse, une petite balayeuse, pareil, avant, juste parce que une des premières fois qu'on l'a utilisé, il y avait vraiment beaucoup de poils, puis de, tu sais, de cheveux, puis tout ça, parce que je veux pas que je perde des cheveux. Mais pour vrai, comme, tu sais, là, je l'ai cleané la tank, puis j'ai trouvé qu'il y avait comme pas de poils. Il y avait plein d'écailles d'œufs, mais il y avait pas de, poils. Fait que, tu sais, peut-être pour la maintenance de la machine, ben, ça serait peut-être bon, là, surtout, tu sais, dans le début de peut-être passer une petite balayeuse avant. Mais là-dessus, j'espère que vous avez aimé mon vlog. C'est sûr que ça a été comme un vlog peut-être décousu, mais c'était vraiment pas prévu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous avez aimé, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!